Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être présentation du centre équestre. Voilà. Donc c'est parti. Donc là on dit que vous êtes. Attendez. Vous êtes une voiture, vous arrivez. Donc ici on a des places de parking que vous pouvez voir là. Désolé pour mon doigt. Là on a les poneys. Donc on a Oasis, Eureka, Chanel. Et là, on a Noirod. Noirod, voilà. Donc ça, c'est les poneys dans une boîte Fila. Qui aime les Fila, votez dans les commentaires. C'est parti, concours. Fila contre Adidas. Donc après, on a les Shetland. Donc on a noix de coco et fraises. Voilà, avec un petit panneau poney. C'est pas moi qui a écrit, ni rien. Donc là, on a la carrière des poneys. Donc, il neige hein, aujourd'hui, il neige, vous voyez, il y a un peu de neige dans la carrière aussi et tout. Il neige un petit peu. C'est pour ça que les chevaux ont quelques couvertures, mais encore, il ne fait pas hyper froid, hyper froid. On est mi-automne, donc encore ça va, c'est la première fois qu'on a de la neige en automne. Mais c'est pas grave. Donc, on a ce petit poney Rapido qui s'appelle avec sa cavalière Clara. Là, on a la cavalière Louise et son petit poney Blanco. Et là, on a Princesse avec Alice. Voilà. Et là, on a un petit poney de secours. Au cas où, par exemple, un poney se fait mal, Louise, ont peur de monter comme ça. Surtout, ouais, parce que c'est un grand cheval. Il peut monter à Shetland. Et voilà. Et ce petit poney a une couverture. Toute douce, comme vous pouvez voir. Et elle a de la neige. Désolée pour mes pieds. Donc là, on arrive, on a genre un couvre-rein, une barrière, une mangeoire et des petites friandises. Donc là, on a mon bracelet. C'est pété, je le remettrai après. Pour un petit bracelet. Et là, on a Denver. Oh, Denver et Brindille. Voilà, on referme. Pourquoi elle va pas se fermer? Regardez les gens. Bon, elle se ferme. Ah. Donc là, on a une grande carrière que je vais vous montrer de loin, si vous voulez bien. Voilà, donc on va faire comme ça, parce que je ne veux pas trop me rapprocher. Là, on a Azzaro et Véronica. Mon doigt est gros, oui, je sais. Là, on a Halloween et je sais pas qui. On a Odyssée et je sais pas qui. Et là, on a Hirondelle. Bon, voilà. Donc la carrière. Avec des obstacles, c'est un cours de saut. Comme tous les dimanches, il y a un cours de saut avec ces 4 élèves de sport études. Donc on arrive, on a au niveau partition. Donc on a Princesse, Picasso et Lucifer. Là, on a Tahiti. Et là, on a Coca. Là, on a Manhattan. Ah bah non, c'est pas Manhattan, lui. Je crois que c'est Bonbon. Oui, c'est Bonbon. Là, on a Virtuose, on va dire. Virtuose, hein. De toute façon, il s'appelle Virtuose. Donc là, on a Figaro. Il s'appelle Figaro. Oui, mais je pense que je peux changer peut-être son nom bientôt. Donc, voilà. Non, tu le laisses. Non, parce que j'ai envie non, c'était mon ancien cheval, donc tu le laisses son nom. On a Popcorn, on a Firelight, là. Fire good et là éclair. Et on a la mangeoire très bien faite hein, avec le petit bac de volo. Là on arrive sur l'écurie principale. Donc là on a apostrophe. Oui mais j'ai changé donc c'est Choupa Choups. C'est Choupa Choups avec son poulain apostrophe. Apostrophe donc voilà. Là-bas, attendez que je lise. Non, ça va, c'est pas les vrais noms là. Donc là-bas, on a la Prince et. Non, c'est bon. Lion. Lion. Là, on a Sacré-Cœur. Attends, est-ce qu'on. Non, Sacré-Cœur. Pardon, ça va? Mais décale, hein. Sacré-Cœur et je sais pas le nom du poulain. Et là, on a je sais pas non plus. Là, c'est. Lilou. Lilou, voilà. Là-bas, on a la maison pour les. Tout le monde, hein. Pour les sports on a chien, chat. Là-haut, on a une étagère avec un lit
Et une brosse, donc là encore une chambre. Hein. Là, le canapé, le salon, non, là. Et en bas, voilà, tout ce qui est rangement et tout. Voilà. Donc là, on a Galipette, on a Boréal, on a Manhattan, on a Levan, on a Vénitia et on a pas lui qui n'a pas de nom. Donc attends, je refais pas de nom. Vénitia, Levan, Manhattan, Boréal et Galipette. Et là-bas, chez le fameux comète. Comète. Donc, si vous connaissez la nature, j'allais vous reconnaître les noms. Mais c'est pas moi qui a donné les noms. Désolée, c'est elle. Et là-bas, on a. Qui? Pakaki. Pakaki. Et là, on a le podium. Hein, voilà. Quand donc, on fait des petits concours officiels. Donc, voilà. On a fait toute la présentation de son centre Cassie. Là, c'est petit. Voilà. Oui, mais déjà pour un début, c'est déjà bien. Ça va faire que un ou deux ans. Et puis, on a oublié les deux là. J'ai pas assez de place. Voilà. Ça, c'est pas des vrais. Voilà, regardez. C'est en plastique. Je vais vous les montrer. Vous voyez bien. Et votez si c'est des vrais ou si c'est des pas vrais. Donc, on regarde là. Est-ce que c'est fake ou c'est pas fake? C'est pas Taïcha qui les a fabriqués, je vous rassure. Regardez. Ça fait le bruit et regardez elle. Moi je l'ai eu mais en vrai. Oui ça fait le bruit du plastique. Donc ils sont sur l'étagère. Donc là, attends, c'est bon. Voilà. Alors, et là on a les deux chevaux qui n'ont pas de place dans le centre classe. Donc là on a Nomade. Nomade, mais arrête de donner les noms de M&M Slash. Arrête ça, je l'avais eu avant celui-là. Tu l'as jamais eu avant. Enfin, tu l'as eu très bien après. Après, mais et puis là, on a Starlight. Starlight, voilà. Que je l'ai pas eu et que j'ai pas pris chez M&M Slash. Mais elle l'a pas, je crois. Elle l'a pas, de toute façon. Si. De toute façon, elle l'a pas, je crois. Bon, voilà. Et vous pouvez me donner des idées pour eux si... Les noms, à part M&M Slash, bien sûr, et tous les autres youtubeurs. Voilà, bisous. À la prochaine. Salut. Eh vas-y, fais A. Tire la langue. On va aller inspecter la bouche de tes chiffres. Bip.